Les premiers pas de Christine Angot dont on n'est pas couché sont décidément très compliqués. Après le départ surprise de Vanessa Burgraff cet été, Laurent Ruquier a décidé de confier son deuxième poste de chroniqueur à la célèbre romancière. Malheureusement, si Vanessa Burgraff avait connu de grosses difficultés la saison dernière, c'est peut-être encore pire avec Christine Angot cette année. Depuis le début de la saison, l'acolyte de Yann Moix enchaîne en effet les polémiques et collectionne les critiques sur les réseaux sociaux. De Noéven Le Roy à Flore Pagny, plusieurs invités ont déjà regretté l'agressivité de la nouvelle chroniqueuse. Sous pression, Christine Angot sera donc forcément très observée samedi soir à l'occasion de la diffusion du prochain numéro d'OMPQ. Malheureusement pour la romancière, il semblerait que le tournage d'OMPQ se soit très mal passé jeudi soir. À en croire les informations de l'Express, Christine Angot aurait même quitté le plateau en larmes après une altercation avec Sandrine Rousseau. Cette dernière était venue présenter son livre Parler dans lequel elle raconte l'agression sexuelle dont elle a été victime de la part de Denis Baupin. L'interview aurait d'abord commencé calmement entre Laurent Ruquier et son invité avant que Christine Angot n'intervienne violemment, « Je vous interdis de dire ce que vous dites. » aurait-elle lancé à Sandrine Rousseau, « Vous ne pouvez pas parler au nom de toutes les femmes, vous auriez dû dire je. On ne peut parler que de son viol. » Des propos violents qui auraient provoqué la huée du public. Vexée, Christine Angot aurait alors quitté le plateau et rejoint sa loge en hurlant malgré un revient lancé par Laurent Ruquier. Ce n'est que 20 minutes plus tard qu'elle aurait accepté de reprendre sa place aux côtés de Yann Moix. Pas sûr que cette séquence soit diffusée samedi soir cependant.